Hey, bonjour à toutes et à tous, ici Tatsu et bienvenue chers amis, bienvenue pour votre second épisode de Medieval Dynasty, un jeu que j'espère il vous plaira car il y a beaucoup de contenu. Voilà, beaucoup de contenu par rapport à un jeu qui m'est souvent demandé, hein, le Ranch Simulator, où je traite des vaches et je bute des cochons. Voilà, ça c'est ce que j'espère, avoir quelque chose d'intelligible à faire et de constructif. Voilà, le jeu est sorti en septembre, donc ça fait 6 mois, mais la bonne chose c'est qu'il y a du contenu en moins, hein. Il y a des mises à jour, même si bon... Pour Ranch Simulator, ça arrive aussi et il est beau, il est très très beau. Et regardez, on a notre petite chaumière, notre petite cabane juste au bord du lac. Et sans déconner, hey, on est bien ou pas là? Est-ce qu'on serait pas vraiment vraiment bien? Regardez-moi ça. Et puis c'est cosy, hein. C'est avec ce petit sol en bouse de vache. Voilà. Malheureusement, j'ai allumé le feu, mais je peux toujours rien cuisiner. Et pour cuisiner des choses, nous allons devoir aller voir les gens, en fait. Voilà, je pense qu'il va falloir aller rencontrer la populace locale et voir un petit peu ce qu'ils peuvent m'apprendre pour survivre. Parce que, voilà, déjà j'ai faim. Voilà, donc tout ça, ça se débloque uniquement... quand ces braves gens veulent bien me l'apprendre. Donc déjà, on va manger. Il a faim, le pauvre. Donc on va manger un petit peu de viande, un petit peu de rouleau d'avoine, et puis une pomme, tiens, voilà. Petit déj de champion, mon gars. Voilà, on est rassasié. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. J'avais eu des champis ici, non? Un caillou, quelque chose. Bah, ça, c'est vraiment le jeu de la survie. Il suffit que tu te baisses pour ramasser tout ce que tu veux ramasser. Bref, j'avais vu un champi, je l'ai ramassé. Je me demande s'il va me... Ouais, voilà. Je me demande s'il va pas me filer la chiasse. Voilà, si en plus d'avoir la chiasse, on va mourir dans la demi-heure qui suit. Bon, au moins, ça fait de la bouffe. Ça fait de la bouffe. Et j'ai vu que j'avais une autre quête. Les animaux sauvages. Les animaux sauvages, encore de la pierre. Voilà, le caillou, le bâton. Voilà, tu ramasses. Bref, survie. Alors, sur le titre de la première vidéo, j'ai dit « Je suis le futur seigneur de cette terre ». Eh ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Déjà, on s'installe. On pose littéralement nos coucougnettes dans le coin. Voilà, tu fais du main spreading, t'écartes bien fort. Elles adorent ça. Alors, mais là, on est en temps médiéval, je dois avoir 15 ans, il est temps de faire des gamins, quoi. Là, il est temps de faire 3 ou 4 mioches à une gueuse qui habite pas trop loin. Essayons de lui miroiter une vie meilleure que de ramasser de la bouse de vache toute la journée, c'est-à-dire venir ici pour la ramasser également. C'est génial. Ah, la vie, qu'est-ce que c'était beau à l'époque. Ok, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai des compétences et du coup, connaissance en extraction. Donc je pense qu'il va falloir... C'est quoi exactement? Compétences et plus activer extraction. C'est-à-dire... Extraction, qu'est-ce que tu veux dire par extraction? Là, il y a de la chasse au trésor, chance de trouver un objet trésor dans une fosse d'argile. Alors déjà, il faut que je découvre une fosse d'argile. Until you recover half of your resources. Ah d'accord, donc tu reçois la moitié de tes ressources quand tu détruis quelque chose. Ah d'accord, donc ça c'est vraiment si tu détruis une maison, ça peut être sympa. Force de la nature, bah ça m'intéresse ça. Durabilité de la hache plus lente, 5%. Ok, donc c'est vrai qu'elle se casse assez rapidement. Bref, ça c'est les outils. Donc là j'ai un point, je dois avoir un point en scie. Connaissance en survie. Insensible, hein, insensitive. Mais c'est quoi cette histoire, insensitive? Meilleure tolérance à la température 2 degrés. Ah ça peut être pas mal pour ne pas avoir froid au cul. Foie de fer, 25% de résistance aux empoisonnements. Ah donc, je peux bouffer des saloperies et j'ai 25% de chance en moi d'en crever. C'est pas si mal, non? Détection des champignons. Ah, des plumes, des herbes. Ah ça peut être pas mal, non? Sens de la survie. Solide comme un chêne, santé. 10% de plus de santé, ça c'est bien aussi. Survivant. 10% de perte plus lente de la nourriture et d'eau. Attends, ça c'est bien, ça. Ça c'est très très bien. C'est-à-dire que j'aurai... 10% moins faim et moins soif. Je crois que ça, c'est très très bien, ça.
Ou peut-être le sens de la survie. Allez, sens de la survie. C'est sur F, non? Augmenter le niveau. Tu veux pas? Ah, parce que c'est grisé. D'accord, bon, c'est grisé, donc je dois commencer par ça. Ok, bon, bah sens de la survie, alors. J'ai compris, puis là aussi c'est grisé, donc destruction, chasseur de trésors, ouais, en connaissance, en extraction. Et puis là ça ouvre le reste. Ok, d'accord. Bon bah ça c'est fait. Et on est paré ou pas? On est bien là ou pas? Ah oui, ça c'est le truc que j'avais mis. Qu'est-ce que tu veux donc? Il faut que je fasse tendre un piège à lapin. Est-ce que c'était le chapitre 2? Je suis en vue, ça t'en fait. Qu'est-ce qu'on a dans le. Il va falloir qu'on aille à la rencontre de la population locale. Donc il y a ici, il y a deux quêtes qu'on doit valider. Et là, apparemment, il y a trois quêtes que l'on doit prendre. Bornica. Bornica, bah, c'est le même nom. Il y a deux villages qui ont le même nom. Ouais, ok. Attends. Ah, Baronica. Oui, mais vous savez bien que Tatsu, il sait pas lire, lui. Ah, si vous n'allez pas à l'école. Gostovia, vous allez finir comme le Tatsu, c'est terrible. Baruo. Et il me semble qu'il y a un pont ici, et même ici. Et donc, qu'est-ce qu'on fait déjà? Qu'est-ce qu'on fait? On fait déjà cette quête, parce que. Attends, bouge pas. Bouge pas les yeux de la tête. Il me faut une lance en bois. Je peux la fabriquer, la lance en bois, regarde. Il faut que je chasse un animal sauvage. Ça aussi, c'est bien. Tendre un piège à lapin. Et un petit piège à lapin. Où c'est que j'ai vu ça? Où c'est que j'ai vu ça? Bouge pas les yeux de la tête. Ça, c'est la baraque. Ça, c'est les pièges à lapin. Et du coup, je peux fabriquer. Ah, d'accord, c'est un petit. Oh, mais il faut le faire en forêt, ça. Est-ce qu'il faut. Oui, je pense qu'il faut l'attirer avec quelque chose. Un petit piège à lapin. Ah, regarde. Il se doutera jamais de rien, ce lapin. On est loin de chez moi, là. On n'est pas si loin. Super, est-ce que. Collecter. Ça, c'est un bâton. Est-ce qu'il faut mettre de la nourriture? Parce que là, c'est désarmé. C'est pour le désarmer. Ok, bon, bah, on verra. On verra, on verra. Chasser un animal sauvage. Équipons-nous de la lance. La lance s'appuie sur F. Attends, il faut que je fabrique encore une hache. On va faire ça comme ça et on va fabriquer encore une hache parce qu'on n'en a plus. Et la casser, la durabilité, évidemment, on sait des trucs faits avec de la bouse. Autant vous dire qu'elle casse extrêmement rapidement. La hache, tu me l'as remis la hache? Non, tu me l'as pas du tout remis. La hache en pierre. Okay, donc, bon, on n'est pas si mal. On a un couteau, on a un maillet, on a un pic. Mais non, mais. Voilà. On a des compétences. Et du coup, si je tourne, maillet, couteau, hache et pic en quatrième. Ok, donc je peux lui lancer. Je peux lui lancer dans sa gueule. Bâton, bâton. Ok, donc, d'où l'importance de rattraper des bâtons. Tu crois qu'on trouve quelque chose ici? On part à la chasse. Parce que au début du jeu, j'avais un lapin qui est. Donc non, du coup. Je sais pas à quel moment est-ce que je me suis dit c'est bon, il suffit de lancer tout droit. Ok, 75. Oui, mais ramasse son truc. T'as raison, ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Bon, eh ben, écoute, je vais y aller au coute là. Hein. T'as bugué? Il a bugué. Oui, tu me le rends le. Ouais, tu attends, hein. Reste là bien sagement, j'arrive. Non, mais j'arrive. Ça va? En fait, c'est un cochon apprivoisé. Il est gentil. En fait, il est gentil.
cette rencontre. Remets-moi cette saloperie ici, bon sang, c'est pas possible. Allez. Bon, fais voir. Il a bugué, ce con. Eh ben voilà. Mais une peau de sanglier avec le couteau. Oh, c'est génial, on a de la viande et on a une peau. Par contre, au niveau de la bouffe et de la viande, t'as récupéré quand même, parce que là, on a un sanglier. Je peux vous dire qu'avec un sanglier vivant, on a à bouffer pour une semaine. Hein, pour une semaine, les enfants. Hein. Là, on a 4 morceaux de viande. Eh ben, c'est pas mal. Super. Hey, re, chers amis. Ok, bon, bah, je vous cache pas qu'on est venu un petit peu m'embêter. Oh là là, les gens peuvent pas survivre 5 minutes sans que je leur montre comment faire. Voilà, Tatsu, voilà. Tout ça. Ok, on avait tué un sanglier, ce qu'on avait fait un petit lapin, il me semble. Je sais pas, j'ai rechargé ma sauvegarde. Un morceau de bois d'arbre, un petit bâton. Un bâton, toujours des bâtons, toujours ramasser des bâtons. Ok, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? On n'a plus le bois d'arbre. Ah, j'ai perdu ma pique. J'ai dû perdre ma pique. Ok, ben on va en fabriquer un autre. On peut pas en fabriquer un autre. Du coup, balache et coupe. On va en fabriquer deux, ça va nous faire du bien. Je sais pas comment je l'ai perdu, je sais plus. Allez. Bah c'est bien, on s'est fait un sanglier normalement. Normalement, ça j'ai sauvegardé. J'ai sauvegardé le sanglier. Je me suis fait aussi un lapin qui a disparu dans les méandres du truc. Oui, non, mais ça va, c'est bon. Calme-toi. Prends. Et donc, quand j'ai deux rondins, je peux plus. Si, ça va. Ok. Alors, en cas où je recroise sur un sanglier, tel Obélix, je m'en vais le manger. Je me demande bien si je peux lui mettre un coup de hache dans la tête. Tiens, vilain sanglier, pas beau. En tout cas, il me semble que j'ai essayé sur un lapin ou pas, non? Peut-être. Enfin bon, bref. Retournons en ville, valider nos deux quêtes. Nos deux quéquettes. Rencontrer la populace. Putain, ça fait rire que moi, c'est con. Rencontrer la populace et avancer un petit peu dans le truc. Qu'est-ce que j'avais vu? Donc, j'ai deux quêtes ici à rendre. Ça, il faut l'enlever parce que c'est bon. Maintenant, j'ai ma maison. Et j'ai plein de quêtes à faire ici, à accepter. Donc, acceptons cela. On va essayer de se faire un petit trek, un petit voyage, quoi. On va essayer d'avancer, de voir un petit peu les gens, de rencontrer la populace. Je rencontre les autochtones. Il y a un pont ici. Il me semble qu'il y a un village juste en face de l'autre village. Ghost machin truc bidule. Ghost of Tsushima. Alors, je suis un peu étonné que le sanglier m'ait pas attaqué. Parce qu'il aurait pu faire mal, quoi. Vu qu'on a une barre de vie, une jauge de vie. Regarde-le, on avait bu tout à l'heure. Il est déjà déshydraté. Super. Putain, il est en carton, le bonhomme. Il est en carton, mon bonhomme. Enfin, un petit bâton, voilà. Ok, hey, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, gentes dames. Adeline, 35 ans, mazette. Adelina, montrez-moi vos marchandises. Ah bah c'est la marchande. Et elle vend de la farine. Ok, où sont mes sous? 5. 5, mais enfin ça coûte... 500, c'est quoi ça? Semi-plante de houblon, 500? Mais tout coûte une fortune, à part la paille. Mais forcément, je peux la ramasser juste à côté. Graines de prune, oh la vache, 320. De la farine 10, ah, de la farine. Et il faudrait encore apprendre à cuisiner parce que j'ai vu que je ne savais rien cuisiner du tout. Putain, mais ça coûte une fortune, madame. Enfin, c'est du vol. 8. Le maillet en bois, ça coûte 8. Je peux te le vendre pour 8. Et une hache, ça coûte 9. Comment je fais pour le vendre? F. J'en fabrique une autre de hache. Et puis le maillet aussi. 10 pour une pique. Ah bah tiens, vas-y. La lance aussi. Ah, j'ai vendu tous mes outils, 44. Eh ben, et tu sais quoi, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, attends, je vais la garder. On va juste aller couper du bois.
Je m'en vais. Merci beaucoup. Des bisous. Chouchou, bye bye. Bon, je pense que c'est pas... Hey, bonjour, gente dame. Je suis en train de créer une colonie. Ça, on a essayé hier. Ça aussi, on a essayé hier. Donc, elle a 21 ans. Il y a l'âge des gens. Et elle en a rien à carrer de ma gueule. Voilà. Toute l'histoire de ma vie, j'ai envie de dire. Ça, c'est du vol. Oh, je voudrais éviter de vous vendre, de vous voler vos morceaux de bois. Ce serait dommage. Où elle, elle a l'air vieille. Vous avez quel âge, madame? 60 ans, ouais. Je suis sûr que c'est la plus vieille de tout le pays. Il n'y a pas plus vieille. Ok, et vous? Comment elle s'appelle? Irmina. Alors, à peine je parle à la jeune, j'ai mamie qui vient me regarder comme ça. Tu parles à ma fille? Et bonjour, belle dame. C'est gênant, madame. C'est gênant. Désolé, je ne cherche pas de partenaire, mais entendu dire que le voyageur qui s'assoit habituellement au coin du près du feu en cherche. Attends. Que les voyageurs qui s'assoient habituellement près du feu de camp en cherchent. Ah, d'accord. C'est ça? Ok, bon, bah, en tout cas, ils n'en ont pas grand-chose à fiche de moi. Diplôme. Qu'est-ce que tu veux que j'ai diplôme? Vous pouvez interagir avec les habitants du territoire, vous pouvez faire des quêtes, acheter, vendre, vous pouvez flirter avec les femmes, trouver une épouse supposée n'ayant pas encore de... La diplomatie? Ah d'accord, la diplomatie, d'accord. Bon, le savoir parler, quoi. Le savoir causer. Ok. Voyons voir. Ok, donc en face, là, juste à côté de cette maison, ça doit être cette personne ici présente qui, voilà, pas trop mal, j'ai ma propre maison, je ne meurs pas de faim, les gens commencent à me parler de plus en plus, c'est beau la vie. C'est bien, j'ai entendu dire qu'il y avait que vous aviez pris l'habitude de chasser récemment. Ouais, j'ai buté un sanglier qui était plus gros que moi de 10 fois. Mais qui se vante un peu. Contrairement, nous avons une loi. Nous n'avons pas de loi stupide ici qui réserverait le jeu aux nobles. Oui. Et vous pourriez faire une faveur, gagner quelques biens. Dis-moi, j'écoute. Un de vos collègues chasseurs appelle Sambor. Vit dans son pavillon et a beaucoup de solitaires. Mais la dernière visite à la taverne, elle s'est tombée quelques observations à la bande de loups qui pouvaient devenir problématiques. Problème, un problème. Découvrez si récompense. Ok. Ok, ok. Donc, donc tout en face, là, c'est ça? Les vaches? Il est à l'extérieur, c'est ça? Oh, ça doit être lui. Hey, salut, Halloween. Tenez, utilisez ça comme je vous montre comment faire. Vous plaisantez? Comment suis-je censé l'utiliser? Comment ça? Ah d'accord, donc d'abord il me dit ça, et après, donnez-moi cette faux. Je vais vous montrer comment faire, c'est-à-dire... On a une faux maintenant? D'accord, vous m'avez surpris. Vous êtes une sorte d'artisan. Comment avez-vous... Tu parles du bâton pointu? Je sais pas comment créer des choses simples. Brancher quelque chose au niveau chaque jour. Ok, peut-être que je suis un fermier comme mon père. Et je sais pas grand-chose d'autre. Bon, bah vous êtes des abrutis, on est d'accord, ça. Quoi qu'il en soit, merci pour votre aide. Fin du dialogue. Bon, bah écoute, je t'en prie, c'était bien sympathique. Inventaire, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a au niveau outil? Plus rien. On n'a plus rien. D'abord, on va se créer une petite hache. Puis le maillet. Le maillet, je pense qu'il me faut encore des rondins. Des rondins de bois. Et il me faut donc des rondins. Et puis là aussi, il me faut des rondins. Bon, bah, rondins. Je peux faire un couteau, là, en pierre. C'est pour écorcher la peau et prendre la viande. Ok, et puis bah on va se non, prends le outil en pierre, genre deux rondins, ça devrait déjà aller. Bah, ça vous dérange pas, je casse les renforts de votre village, quoi. Ok, bah deux rondins, je pense qu'il y en a un encore là. Je dois être lourd du cul, là. Ok, donc...
Hop là, j'ai plus de pierre. Je n'ai plus de pierre. Je peux faire des pics en bois. On va en faire deux tout de suite. Et puis vite fait un maillet en bois. On sait jamais. Ok, bah on a tous nos outils. On est paré. On est prêt et paré. Ouais, je sais pas si la nuit va nous surprendre. Je voudrais retourner à la maison peut-être. Et puis traverser, essayer d'aller en face. C'est quoi ça? Personnage. Ouais, pas les champs. Je sais pas si je suis en retard au niveau du champ. Ah d'accord, donc la quête que tu m'as donnée, il est là, le mec avec les loups. Mazette, c'est pas tout prêt, hein. C'est pas tout prêt, hein. Bon, par contre, si je vais ici, je pourrais remonter là. Et tu vois, je suis à la croisée du chemin pour aller ici. Denica. Là, il y a plein de quêtes. Allons-y. Voilà, tu l'as pas volé celle-là. Un petit lapin qui fait plaisir. Je remarque au-dessus, il y a un arbre avec, je pense qu'il doit être une heure. Bon, un champignon en plein milieu. Donc je pense qu'on devrait avoir le temps. Vous voyez, ma maison, il est là-bas. On devrait avoir le temps de traverser, d'aller voir le village d'en face, qui est très très loin en face. Et explorons, chers amis. Donc bon, petit lapin, ça c'est fait. Et puis bah sinon, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Je guette, hein. Je guette le moindre sanglier, je le charge. Aïe, j'ai été surpris par une branche. Oh, j'ai cru voir un truc ici. C'est un caillou. Allez, à tout à l'heure. Oh la vache! C'est un ours ou un bison? Tu crois que je... Il y a des bisons dans le truc! Attends, mais il doit y avoir une tonne de viande là-dedans. Ouais, mais est-ce qu'il va pas me buter? Bouge pas. Sauvegarde. Sauvegarde à partie. Ouais, écrase. Non, attends, là. Écrase là. Oh, FFF. Ça, s'il me bute, c'est que j'étais pas prêt. Ah oui. Donc l'arbre ne l'arrête pas du tout, hein. Wow. Donc l'arbre ne l'arrête pas du tout. Les arbres, c'est pas ton truc. Non. J'ai récupéré mon pic. Et je lui ai lancé dans la gueule. Et il me lâche pas. Il ne... Bon, c'était pas une super idée, avons-le nous. C'est pas grave, mais c'était pas une super idée. Putain, mais j'avais pas fabriqué deux bâtons. Bon, bah écoute. Un lapin, tu perds rien pour le temps. Reviens ici, saloperie. Bon, est-ce que je peux fabriquer un... Oh, j'ai plus de rondins, j'ai dû en fabriquer qu'un seul.
Bon, par contre, j'ai plus de vie aussi, hein. Fabrique le rondin, fabrique le pic. Oh, putain, tout ce déséquipe s'en est chiantissime. Ok, on a un. Ils sont beaucoup trop solides. Bon, bon, on a sauvegardé, normalement. On a sauvegardé. C'est où Attends, je sais plus si c'est là ou si c'est l'autre. Je crois que c'est là. Ouais, il va me falloir un arc et des flèches. On n'est pas prêt pour les bisons. Globalement, on n'est pas prêt pour les bisons. J'ai trouvé ça super classe de prendre ma lance qui était coincée dans son crâne pour le piquer à nouveau. Ok, d'accord, on est là. C'est bon, cassos. On a compris. Il est 14h, 16h, pardon. Je vais me contenter des lapins. Pas chasser de lièvres à la fois. Il ralentit, ce connard. Je vais t'avoir, hein. Tu seras pas fatigué avant d'être mort. Putain. Il s'approche près du bison, il a tout compris, ce lapin. Sale bête. Sale bête. Vilain. Bon, bah d'accord, on a raté notre vie, hein, on a raté notre mise à mort, j'ai envie de dire. Tant pis, juste par où c'est. C'est l'aventure, là, c'est l'aventure. Ok, c'est sur le côté, là. Et donc, c'est... Baraniaka. J'entends des trucs. Le loup, le renard et la belette. Ok, bon, c'est en face. Il y a des bisons. On va pouvoir buter du bison. Pas facile pour l'instant. Bon, évidemment, t'as la bite et le couteau. On est d'accord. Un jour, peut-être même bientôt, quand j'aurai fait la quête du loup. 10 contre 1, d'abord, buter des loups, ce sera quand même... peut-être un poil plus simple, je suis pas sûr. Hein. Ok. Bonjour les gens, comment ça va? Ingrid? Ah non, c'est Inga. Hey, bonjour belle dame. Désolé, mais je suis marié, j'ai entendu. Oh, ça va, c'est bon. Tout de suite, je suis marié. Bonjour monsieur, comment ça va? 20 ans. Dobrovite. Vous avez une minute? Vous avez vu que les nobles étaient... Non, on s'en fout des nobles, franchement. T'as des ragots de dernière minute? Oh oui, beaucoup. Envie de parler un peu... Un jour. Ouais, ok. Bon, ben un jour, on ira se boire une bière et puis on parlera. Ok. Qui c'est qui a une quête pour moi? Hey, bonjour, jolie rousse. Vous êtes toute rousse, mais c'est le paradis. Ce serait vous? Mademoiselle, puis-je vous aider? Ok, j'ai besoin de l'aide d'un homme fort, je vais payer pour ça. Oh là 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 là. On me l'a dit souvent, ça. Considérez que je suis intéressé. Ok, je dois nourrir ma famille, mais la nourriture a disparu. Ah, j'ai des pièces, mais pas le temps. Ça ne devrait pas être difficile. Je reviens tout de suite. Est-ce que j'ai l'air d'un boucher? Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Oui, je pense que ça devrait être tout. Rémunération équivalente des tâches. Parce qu'en fait, tu voulais de la viande. Ah bah voilà, comme ça c'est fait. Il est où le souci? Elle voulait de la viande? J'en avais de la viande. Un homme fort qu'a chassé. Et du coup, monsieur, c'est vous? Norbert.
Puis-je vous aider? Montre-moi ce que vous vendez. Combien de pièces? J'ai 69. Elle essaie de me faire passer un message. Et il a du chou, Norbert. Et par contre, moi, est-ce que j'ai de la bouffe encore? J'ai des fourrures. Et les fourrures, ça t'intéresse pas des masses. Les outils, à la rigueur, mais je vais éviter de tout vendre à nouveau. De l'engrais. C'est du caca, de l'engrais. Globalement, non, mais me mens pas, c'est du caca. Bon, il a pas grand-chose. Bon, puis-je vous aider? Très bien, je vous aiderai. Bonjour, nous avons besoin de votre aide. Hier soir, un terrible orage a détruit notre maison. Pourriez-vous nous aider à rassembler les ressources? Bah, bien sûr, très bien. Où elle est, votre maison? Parce que bon, moi j'y vais. Moi j'ai mon maillet, moi je répare les trucs. T'en bouge pas. Donc c'est quelle maison, monsieur? Au niveau du... Attends, j'ai passé... Non, putain, c'est pas chiant du tout. Ah, attends, bouge pas... Ouais. Attends. C'était lui. Norbert. Voici les matériaux. Non, il voulait juste les matériaux, d'accord. Merci. Bon, bah, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai des matériaux en moins. Et puis là, il y a encore quelqu'un qui a besoin d'aide. Il voulait pas que je répare, il voulait juste des matériaux. D'accord. Et puis là, puis-je vous aider, monsieur? Bien sûr, donnez-moi la liste. Attends. Écoute, j'ai besoin de matériel d'artisanat. Pourriez-vous m'en procurer? Qu'est-ce que tu veux exactement? Attends, parce qu'au niveau des quêtes, c'est pas hyper clair. Fais-moi voir le journal de quête. Chapitre 1, survivre, histoire de machin. Attendez le lendemain, c'est-à-dire. J'ai rencontré Halloween, travail, champ, journée, oui, bon, ça, on s'en fout. Reconstruire la maison. Oui, homme à tout faire. Non, mais attends. Chapitre, non, mais ça, c'est juste quelque chose qui est fait ou ne pas fait, c'est-à-dire... Survivre pendant une saison, oui, non, mais ça, c'est OK. Quête d'histoire, ça, c'est fait. Construisez la maison, réputation. Un pauvre Jean. Problème de logement. Rondin. Bâton. Donc il faut 4 rondins, c'est tout? Donc il te faut 4 rondins, monsieur. Écoute, je vais aller démonter ton arbre ici et puis on aura fini. On va à la rencontre de la populace, on aide les gens. On se fera bien voir. Parce que Tatsu est un être profondément serviable et gentil. N'en doutez pas du tout, parce que c'est tellement vrai que quand on dit trop bon, trop con, le Tatsu est un abruti. Et le roi des cons. Le Tatsu est le roi des cons. Est-ce que ça suffit? Et vous avez une minute? Pas du tout. Et est-ce que c'est lui du coup, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Putain, c'est chiant, sans déconner. Mettez des trucs. Il est rentré, je pense. Monsieur, excusez-moi, mais j'ai Norbert. Ça, c'est le matériel que vous vouliez. Merci beaucoup. Entre certaines technologies de construction que j'ai appris. Ah, ça, c'est gentil, ça. Ah, ça, c'est très, très gentil, ça, Norbert. Norbert, il est cool, Norbert. J'aime beaucoup Norbert, le cuisinier, tu sais. Ok, du coup. Encore, c'est... Il est où? Il est juste à côté. Du coup, c'est toi, non? Une minute, je reviens tout juste du travail, du champ, le travail est difficile. Il a 19 ans, oui, mais l'expérience, tout ça. Bon, tiens, hop là, t'en bouge pas. Donc ça, c'est fait. Il faut que je regarde dans mes quêtes. J'ai pas tout à fait compris ce qu'il veut. C'est passionnant, hein. Attendez, le fun arrive. L'homme a tout faire, il faut récompense 50 pièces, 7 pierres. Donc j'ai plus de pierres du tout. Il faut que j'ai ramassé de la caillasse. 7 pierres, de la pierre, il devrait y en avoir là. Regardez, des cailloux partout. Ça, c'est un champ, hein, mon gars. Ça, c'est un champ. J'ai entendu quelque chose. Attends, sors ta torche. Bon, il fait bon là, on voit tout. Hein. On voit déjà tout, mais avec une torche, ce serait peut-être plus facile. Donc, juste 7 pierres. Ah, donc il a soif.
Ouais, mais du coup. Il a soif, mais j'ai pas de gourde sur moi. Aïe, 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 aïe. Ok, heureux, chers amis, décidément, la pierre est vraiment une ressource rare. Incroyable qu'un simple caillou soit si compliqué à trouver. Normalement, c'est bon, mais la vache, sans déconner, quoi. Sans déconner, bon, un tout petit village où il leur manque de tout, ou alors c'est des fainéants. Ou alors c'est des fainéants. L'autre, il veut pas couper un arbre. L'autre, il veut pas chercher des pierres. Voilà, heureusement que je suis là. Bon, ça fait un peu d'argent, ça. Ah bah d'accord, donc tout le monde est au lit. Et elle est par terre. Alina, cette personne n'est pas intéressée. Attends, c'est pas. Ouais, tu te réveilles? Ouais, non, c'est bon, j'ai. Il fait flipper en plus. Ah non, mais si, c'est bon, j'ai tout. Ah, la quête est terminée. Bon, moi, c'est lui. Voilà, j'ai tout. Merveilleux. Bah, et on est over. Avec compétence 119, on a gagné notre pain. Nous avons gagné notre pain quotidien. J'ai envie de dire, solide comme un chêne. Ça, on pourrait faire. Ouais, sens de la survie. Détection de champignons, de plumes, d'herbes en mode inception. Survie ou machin. Cure alcool résistant. Pourquoi ça? Pourquoi foie de fer? Résistance à l'empoisonnement? Je sais pas. Du coup, je mets ça. 10% de plus, c'est toujours bon. 10% de plus de survie, c'est toujours. Et ben voilà. Est-ce qu'on a tout fini? Je pense qu'on a tout fini. Ça va, j'ai mangé un petit peu. Bah, il nous reste plus qu'à faire les loups, quoi. Par contre, il y a un chemin, mon gars. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Il faut le faire. Hein. Il faut évidemment le faire. Est-ce que j'ai un peu à bouffer ou pas encore? Parce que bon, ça diminue, mais grandement. Toute ma viande est partie. J'ai donné toute ma viande contre du pognon. Heureusement, j'ai beaucoup, beaucoup de champis. Ça nourrit pas, hein. Ça ne nourrit pas du tout. À mon avis, il faut que j'aille dormir. C'est ça, non? Je suis pas reposé, hein. Je sais pas, c'est pas marqué. Ce n'est pas marqué. C'est dans quel sens? Du coup, là, c'est en face de la route. Bon, eh ben, écoutez, je vais me diriger vers là-bas. Je vais sauvegarder. Je vous dis à tout à l'heure quand j'arrive. Oh, ça pue du cul. Putain, il m'a presque buté, cet enfoiré. Il m'a presque buté, mon gars. Évidemment que ça fait flipper sa maman. Mais bon, ça nous fait un peu de viande. Comment je me heal? Comment je me heal? Mais j'ai pas les moyens d'être là, en fait. J'ai pas les. Mange de la viande. Non, pas celle-là. À mon avis, si je mange encore de la viande crue, je vais crever incessamment sous peu. Ok, je vais tout manger. Voilà, encore un truc. Est-ce que ma santé revient? Pas du tout. Bon, bah écoute, F5. Et puis au pire, comment dire? Ça pue du cul, évidemment. Il fait encore nuit, la nuit met longtemps à passer quand tu dors pas. Putain, et puis là, j'ai mes petits chiens qui aboient. Petit con! Moi j'ai peur de me faire bouffer par des loups, j'ai mes chiens qui aboient. Foire! Petit cube! Ok, putain, mais c'est où là? Je me suis perdu ou quoi? Ah, d'accord, c'est en face. C'est en face son truc. Vraiment, on a besoin d'un GPS. Hein. Enfin, quelque chose de plus mieux. Et si le loup il arrive, je peux toujours faire ya, ya, ya. Voilà, je peux toujours faire ya. Quelle idée à la con aussi de partir la nuit. J'étais juste à côté de ma baraque. Je me suis dit non, pour la vidéo, allons-y. Allons chasser le loup, regarde-moi ça. Dans quel état je suis? Dude, il faut que je me repose. Bon, est-ce que tu aurais l'extrême amabilité de me laisser me reposer, de regagner de la vie, du bois de chauffage?
Pas du tout, comme je suis pas chez moi, je peux rien faire. Donc toi tu as un peu de cuir, un couteau en pierre, c'est nul. Il est où? Il doit dormir encore ce fainéant, alors que je bosse toute la nuit. Sombor. Je suis Rasmir, le neveu de machin. J'ai entendu dire que vous aviez des soucis concernant les loups. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Bah alors. Ouais, machin, un grand homme. C'est un honneur que l'ayant perdu. Quoi? L'ayant perdu? Ok. Vous êtes à moitié l'homme qui était. Pouvez-vous. Putain, j'ai mon micro qui me bouche la vue, pardon, chers amis. Bien mérité le temps. Hein. Bon, allez, fais voir, le quête. Deux groupes qui se sont grossis trop vite. Travers les plaines. Temps. Mais je vais mourir en fait. Autour du lac au sud. Bon, d'accord. Eh ben, tuer une meute, il faudra un grand groupe de chasseurs pour cela. Dans le cas prioritaire. Oui, mais ça, à mon avis, parce que il me faut des gens. Il me faut des gens avec moi. Si j'y vais tout seul, je vais évidemment décéder. Il faut un groupe de chasseurs. Donc il faut que. Ah bah en fait c'est. Quand tu parles du lac. Bah ok. Ok, bah on n'a plus qu'à revenir. On n'a plus qu'à revenir. Les quêtes sont accomplies. Voilà, les quêtes sont accomplies. Je lui ai parlé. Je pense que c'est une quête qui va faire en sorte que l'on se. C'est un rocher. Que l'on se regroupe pour aller chasser le loup, vu qu'il y a deux meutes. Comme je ne suis pas le Dragonborn, je ne vais pas les prendre à moi tout seul. Je pense pas. Ok, bon, bah écoutez, on se rejoint au village là-bas. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Vous avez entendu le coq, connard de coq. Vous avez entendu le coq qui chante, c'est marrant. Alors on est juste sur le village en face de machin, voilà. Tout ça. Donc je suis littéralement en face. T'en bouge pas, si je peux buter le coq, je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde. Pas moyen de piquer un œuf. Acheter, non c'est vrai, que acheter, alors que je devrais pouvoir les voler. Non, par contre, ils font du bruit, quoi, mon gars. Hey, bonjour, comment ça va? Hey, le coq a sonné. Il a sonné, il a. Voilà, il est temps de se lever, monsieur, dame. Madame. Non, elle veut pas me parler, elle a pas très envie de me parler, décidément. Massue? Je pourrais fabriquer une massue ou pas? Et des pièces 02. Est-ce que je pourrais en acheter une? Parce que j'ai un peu d'argent. Je me dis que bon, si je m'introduis chez les gens pendant qu'ils dorment et leur voler des trucs, c'est peut-être pas extraordinaire du cul, non? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur, dame? Putain, la paillasse, ça, sans déconner. Vous pouvez pas mettre un drap là-dessus? De la farine. Ouais, bon. Ok, donc là vous êtes célibataire. Alors, Nidoran, elle est mignonne, elle a de beaux yeux. Niedomira. Putain, la vache avec ce nom. Je suis en train de créer une nouvelle colonie, ouais. Et ça te dit? J'ai entendu dire que les bâtisser, la réputation. Ouais, c'est ça. Désolé, vous êtes un peu trop jeune pour moi. À 30 Et à 30 ans. Ah. Bon bah tant pis, 30 ans. Qu'est-ce qu'il y a? Un nouvel arrivant. Les habitants de votre village vous encouragent. D'encourager les gens à rejoindre votre village, vous devriez atteindre un bon niveau de points de réputation. Bon bah c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Là je. C'est pour ça que je cours absolument partout. Partout. Pour un peu de répute. Pour que les gens me détestent moins. Et vous avez une minute. Et le travail, j'espère que vous en sortez bien. Et vous avez comment par ce temps-là? Et donc là, du coup, ça fait. Bah oui, puisque je leur parle, ça fait 10% en plus, d'accord. Donc il a 19 ans, je vous remercie beaucoup de demander, c'est gentil de votre part. Vous pouvez bouger un peu.
Tu peux te bouger un peu le cul. Bon, eh ben, en face, il y a le village. Alors, je peux traverser au niveau du pont. C'est joli, cette petite plage-là. Ou alors, je peux sauvegarder et essayer d'y aller à la nage. Ce qui est complètement con, avouons-nous. Bon, en tout cas, c'est plus sécure que la forêt qui est pleine de loups. Bah tiens, regarde. Voilà. Tu peux pas plonger, hein. Elle fait flipper cette eau. Tu ne peux pas plonger, tu peux nager au moins. Ouais, écoute, regarde, c'est plus court, hein. Globalement, c'est plus court. Si il a pas trop froid, globalement, c'est plus court. Déséquipé. Ah oui, d'accord, R. Ok. Eh ben voilà. C'était pas la peine d'aller au pont, hein. Eh ben on est revenu, on a fait le grand tour quand même, hein. On a fait le grand tour. Bon, j'ai eu peur qu'il me demande d'aller buter des loups avec lui tout de suite parce que j'ai plus de vie. Alors je me suis dit, bon, bah tu sauvegardes, sauvegarde à F5. Et du coup, voilà. Mais ouais, non, c'était quand même puant du cul parce qu'à mon avis, je vais mourir incessamment sous peu. Ok, dans la maison qui est juste là. Bonjour madame. C'est pas lui, c'est le gosse. Doit être l'autre maison. Doit être lui. Tiens, viens ma poule, Edwin. Vous avez une minute? Les nobles ont entendu des ragots dernièrement? Ça aussi, ça fait plus 5. Ah, il faut parler des ragots. Ah, disons, vous avez vu, machin. Il a dit des saloperies sur truc. Ok, ça c'est la dame. Je crois que c'est lui. Oui, oh putain, quoi de neuf, Halloween? Continue. Attends. Je suis fatigué. Continue entre ma mère et son fils. C'est une petite sœur. Hein? Je comprends que c'est un jour pour lui. Ma grande sœur, un chevalier avec un bâton au lieu d'une épée. Défendre son honneur. Bon, bah, je n'ai pas tout compris à vos conneries, mais bon, de toute façon, vous êtes un idiot, je pense, qui a besoin de quelque chose. Non, c'est parce que je lui dis. Pour que vous puissiez aussi avoir un peu de paix. Oui, bon, bah, bref, allez, avance, roule ma poule. Ouais, ce serait bien. Fin du dialogue. J'ai pas tout compris. Mais en fait, il s'agit des gens qui sont là-bas, un peu plus loin, dans l'autre village, bien loin. Oh, tiens, il y a une quête là. Ah, parce que je viens de la prendre la quête, parce que j'ai parlé à truc. Ah, non, attends, il y en a une autre alors. Bon, bah, c'est bien. C'est bien, tu vois, ça déverrouille de la répute. Et du coup, bah, les gens, ils commencent à me parler, à me demander des trucs. Et c'est lui. Oh, gamin! Tu es Schmurt, c'est ça? Salut, vous avez l'air très fort hein, pour votre âge. Déjà, devenir chevalier? Ah, bah, bien sûr, un chevalier. Ah, mais oui, mais c'est lui. Pour ça, c'est de ça dont tu parles. Il veut un chevalier et pas avec un bâton pour défendre son honneur. N'avez pas beaucoup. Hein, vous avez entendu parler qu'il commence tous à apprendre à se battre avec une épée. Oui, bah, de toute façon, mon rêve, vous êtes. C'est mon rêve, vous êtes un chevalier. Puis-je trouver une telle épée de chevalier? Il se trouve que j'en ai un avec moi. Donnerait parce que vous avez clairement. Tu parles d'un bâton? Sonoré. Elle peut sembler insignifiante, mais c'est une excellente arme d'entraînement. Donnez le bâton. Eh bah tiens. Reprendre votre adversaire, vous serez. Bon bah tiens, voilà. Protéger les femmes et les enfants en danger et vieillissant et veillant à ce qu'aucun mal ne leur soit fait. Bon bah superbe. Allez, tiens mon grand. C'est bien ça. C'est bon, c'est fait, cette personne n'est pas intéressée pour vous parler en ce moment. Superbe, extraordinaire, merveilleux. 41. Bon, donc du coup, c'est une autre quête. Et ça fait encore avancer les choses. Attends, c'est lui, n'est-ce pas? Il était juste là. Hey, ma poule! Vous avez une minute. Non, il a les yeux fermés, ce con. Je reviens tout juste du travail dans mon champ. Non, bah, c'est pas ça. Il fait beau aujourd'hui, hein. C'est pas du tout lui. Je me suis mis à la chasse, vous avez des conseils? Non, je vais me faire foutre. Bon, bah, il veut même pas me regarder. Putain, mais vous êtes où? Putain, c'est. Il est derrière moi. Il est pile derrière moi.
C'est un de ces deux connards. Non, bon, bah, c'est le mauvais connard. Ah, enfin! Eh bien, solitaire que j'ai caché, bon bois. Ok, donc j'ai appris à faire des trucs. Et s'il vous faut, ce serait prêt à tout, je vous donnerai ma parole. Je vais m'occuper de défendre, de la défense ici. J'ai besoin que vous assumiez que Danica est assez préparée. Allez-y. Ouais, bon, bah, on verra. Donc, une ou autre quête encore. Merci, c'est parfait. Et juste en face, tout juste en face, caché par le nom du village. C'est pas lui, n'est-ce pas? C'est pas lui. Oh là là, c'est chiant. C'est chiant. Attends, bouge. Il est derrière maintenant. Non, c'est pas toi. Arrêtez de bouger. Il est derrière. Et... Mais arrête. Oh putain. Oh, c'est chiant. Ok, ça doit être lui. Ouh. Ah, voilà. J'ai résolu votre problème. Donc, ça c'est fait. Vous m'avez donné une bonne idée. Cette histoire de bâton de chevalier. Merci, c'est bien gentil. Vous êtes dans la poche. Très bien, à bientôt. Chouchou, baba, et des bisous. Et ben voilà. Eh ben voilà, eh ben, il va falloir aller ici pour leur demander de se préparer à se battre. Et moi, je vais me rentrer doucement. Et vous savez quoi, on va... Est-ce qu'on s'arrête ici? Non, on rentre déjà à la maison sous la pluie parce qu'il a bien mérité de se reposer. Et je vous dis à tout à l'heure. Ok, on est bien chez soi. Enfin. Bon, qu'est-ce que je peux déposer ici? Parce que faut pas déconner. Oh, une capuche. Capuche en fourrure, je crois que ça j'ai gagné. Je crois que ça j'ai gagné. Attends, bouge pas. On enlève ça. Ça c'est à cause de la quête que j'ai remplie. Donc si je comprends bien, on a 119 piastres. On a des bottes fourrées que l'on pourrait équiper. Et on a une capuche que l'on pourra équiper aussi. Donc là, on va pas trop mal. Niveau outils, machin, on a de la fourrure. Niveau machin, on a un peu de pognon, un tout petit peu de pognon. Et niveau outils, c'est pas incroyable du cul. Mais bon, autre chose, on va se pioter. Et on va faire un dodo, mon gars, mais bien mérité. Dormir le lendemain, on peut pas? Ah, il veut pas. Faut manger quelque chose. C'est compliqué avec la viande, hein. C'est vraiment très très compliqué sur F. Du pain plat. Est-ce que ça nourrit ça au moins, du pain plat? Bon. Est-ce que ça... Il a mangé. Ok, il l'a mangé. J'ai plus de vie du tout. On va sauvegarder un petit peu. Et on va fabriquer des trucs. Il faut apparemment des points de fabrication pour commencer à fabriquer des machins et des choses. Bâton, ça j'ai, pierre, j'ai. C'est bon, maintenant on a une capuche. Non, même quand il pleut, le jeu est dingue. Et je voulais fabriquer ça, en fait. Chers amis, je voulais fabriquer... Ok, j'ai trouvé. On va essayer de se fabriquer ce truc-là. Regarde. Ah, on pourrait même... D'accord. Donc ça, c'est possible. Un atelier avec 8 rondins. Ah bah, il va me falloir des rondins, mon gars. Beaucoup, beaucoup de rondins. Donc, atelier. Ensuite, clôture. On n'en a pas besoin pour l'instant. Bâtiment. Bâtiment ici. Truc de stockage. Ça, il me faut. En fait, c'est ce qui m'est permis de fabriquer parce que je n'ai pas de points de construction. Donc j'aurai des points de construction, je vais avoir beaucoup plus de choses à fabriquer. Donc pour l'instant, eh ben, on n'a pas fini de ramasser du rondin. C'est moi qui vous le dis. Allez, c'est reparti. On y est. De la paille. Allez, vas-y. J'ai plein de paille. Ok, Edin. J'ai du rondin et de la paille. Voilà. Quand il y a atelier, je me demande bien s'il y a un petit atelier, ce qu'on peut fabriquer par la suite. Ah, toujours à l'atelier. Ok, 7, 8, 9. J'ai juste assez de paille, c'est juste parfait. Ok, alors. Alors, fabriquer. Et donc, du coup, bah, je peux fabriquer une cuillère, des trucs. Oh, je peux être un artisan. Oh, je peux être menuisier comme dans la vraie vie. Et puis là, j'ai un coffre en plus. Oh, mais c'est parfait. Bah, c'est pas le fait, ça. Ah bah, tu sais quoi?
je construis le truc à stockage et maintenant, normalement, je devrais. Est-ce que j'ai gagné des points? Est-ce que j'ai gagné des points au niveau truc? D'accord, j'ai 57 points, il en faut 250. La vache, faut fabriquer tellement de choses. Faut fabriquer tellement, tellement de choses. Et ce truc-là alors? Pas assez de ressources. Ouais, il me faut 10 rondins. J'en ai deux. Bon bah écoutez, je fabrique ça. À mon avis, après on pourra choper quelques points. À tout à l'heure. Enfin, je sais pas trop à quoi ça sert ce truc. Ouais, je pense qu'on pourrait avoir des bêtes là-dedans, non? Et un truc pour les attacher et tout. Ça doit être pour les bêtes. Bon, un coffre aussi, ça fait plaisir. Mais voilà, en tout cas, eh ben, ça fait avancer le schmilblick. Et du coup, est-ce que j'étais à 50 hein, en fabrication? Est-ce que toi, tu me détestes moins? Artisanat 20, ah bah d'accord, donc déjà artisanat, il va falloir que je fasse des. Il va falloir que je fasse des torches. Bâton, mais laisse-moi au moins fabriquer un truc, quoi. Torche simple. Donc du coup, mon artisanat, il monte un peu. Torche simple. Ouais, acheter un plan 50. Ah! Je suis affamé, j'ai soif. Donc là, si j'appuie sur R, j'achète le plan du petit panier. D'accord, et donc je peux en fabriquer un. Ok, bah j'ai un panier, et peut-être qu'il vaut quelque chose que je peux en fabriquer. C'est quoi? Tu fabriques ça avec du bâton? Et bah voilà, je fabrique des paniers, comme dans le temps. Et bah chers amis, voilà, on a très très bien travaillé, très très bien travaillé. On a fait le tour de la map, on a buté des loups, on a buté un sanglier, on a buté des lapins, on a coupé les haies de Troie, ça veut rien dire, référence. Un vieux film. Ouais, et puis ça aussi, ça c'est chiant, hein. Il me faut quoi? Une compétence de cuisine? Y a pas un petit truc quand même? Pas assez. Artisanat. Donc vraiment, artisanat. 250. T'imagines pas ce que je dois fabriquer pour avoir 250 en artisanat? La vache, mazette. T'as pas un truc un peu simple? Juste un peu simple. 250, 2500. Oh.
Bon, eh ben, écoute, je vais au moins allumer le feu ici. Je vais manger ce que je peux. Connaissance, extraction, nature, minerai, mur. Eh ben, écoute, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais surtout bouffer le peu de champignons que j'ai. Oh, c'est la misère, par contre. Hein. Voilà, j'ai mangé un morceau de viande crue. Je comprends pas trop. Peut-être que si je fabrique un feu de camp... Attends, bouge pas. Parce que là, on a pas fini. Ouais, mais lâche-moi, là, barre-toi. Si je fabrique un feu de camp, parce qu'on peut faire un feu de camp, c'est pas possible que la viande que tu as... juste là. D'ailleurs, il est où? Ce feu de camp. Élevage, machin... Bougez pas, hein. Bougez pas. Je sais... Voilà, feu de camp. Donc, genre, je peux pas fabriquer un feu de camp là. Bon, c'est à l'intérieur, donc c'est pas terrible. Comment je sors de là? Je suis prisonnier. Je suis prisonnier. Si je fais ça... Ok, dormir. Ah, donc je peux dormir à côté. Oui, d'accord, bon, c'est pas le... Je peux dormir à côté. Oui, non, mais attends, c'est pas le but. Fabriquer. Bon, ça, c'est vraiment quand tu... Ouais, quand tu bosses à l'extérieur, quoi. Et on n'a plus rien dans le ventre. On va se coucher. Hop là. Allez, eh ben c'est fini, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cet épisode. On se réveille dans notre domaine. Sauvegarde auto, ça c'est une bonne chose. Et regardez, ça avance, non? Déjà, on a enlevé toute cette végétation, mais alors, dégueulasse. Voilà, mère nature, voilà, dans ta gueule. On a construit des choses. Bah c'est pas mal tout ça, voilà, c'est pas mal tout ça, ça avance, je suppute que maintenant je puis peut-être construire autre chose, 89, d'accord, 100, tu vois, ressources, abri en bois, pourquoi pas, abri en bois 2, ça c'est pour faire du minage, 500, oh là là, décidément, il y a tellement de choses à construire, clôture, tu veux même pas que je construise une petite clôture comme ça, établi, les pièges, les machins, ça aussi, 2500, Bon, ben moi, je peux bientôt fabriquer ça. Ok, voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura diverti. On en a fait des choses, hein. On en a fait des choses. Gros pouce bleu, gros abonnement. Oh, on est bien chez soi quand même, hein. Allez, bye bye, à la prochaine.